Alors bonjour tout le monde. Alors voici une entrevue exclusive avec David Michaud. Alors bonjour David. Bonjour. Alors de nombreux gens t'ont connu via le site YouTube et je me demandais premièrement, quand tu joues dans tes vidéos, est-ce que c'est des personnages ou c'est vraiment une partie de ta personnalité qui ressort? Ça fait plusieurs fois que je me fais poser cette question-là. Je dirais que oui, c'est vraiment moi, mais j'amplifie certaines parties de ma personnalité, puis je m'arrange pour que ça ressorte à l'écran. Et je pense que c'est ce qui fait que mes vidéos ont une certaine caractéristique à moi-même. Et les gens ont remarqué un certain niveau d'humour dans tes vidéos. Est-ce qu'il y a un lien entre l'humour et la musique dans tes vidéos? Oui, je pourrais dire qu'il y a un lien entre les deux. Ouais, je vois le lien là. Alors, prochaine question, qu'est-ce que la musique pour toi, David? Eh bien, pour moi, la musique, c'est une façon d'exprimer ce que je peux pas toujours dire avec des mots. Alors, le fait de combiner musique avec des instruments et avec un texte, pour moi, c'est la façon idéale de pouvoir extérioriser ce que j'ai en dedans. OK, dis-moi, David, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as commencé à manipuler certains instruments de musique dans ta jeunesse? Mais la première fois que j'ai pris une guitare dans mes mains, j'ai trouvé ça doux. Oh, OK. Et parle-nous maintenant de ton album Fait à la main que tu as sorti il y a maintenant un an environ. Ouais, c'est ça, c'est mon album Fait à la main. C'est un album que j'ai réalisé moi-même à 100%. C'est tout mon travail que j'ai mis là-dessus. C'est ma fierté. Il contient 12 chansons. Et présentement, je l'ai même mis disponible gratuitement sur Internet pour que le monde puisse le plus possible le télécharger et le partager avec les gens qui le connaissent. OK, d'accord. Et maintenant, parle-nous d'où viennent tes sources d'inspiration? Des fois, je regardais tes vidéos et c'est vraiment d'un extrême à l'autre. D'où vient cette inspiration? Ah, ça, c'est des petites choses de la vie, des fois, qu'on pense pas de regarder. Puis moi, je les regarde sur un autre angle. Puis je me dis. La guitare noire, ça va faire un hit. Alors maintenant, dis-moi, David, que serait ta vie si tu ne pouvais plus voir ni entendre? C'est une bonne question. Je vais tenter de simuler pour avoir ma réponse. Ah, oh non, sérieusement, je pense que la vue et l'ouïe, c'est les sens qui sont le plus important parce que sans ça, je ne saurais pas ce que je suis et je ne pourrais pas faire ce que j'aime le plus au monde, la musique. C'est bien dit, ça. Mais dis-moi, David, d'où vient cet amour pour la musique? Ça a commencé, j'avais environ entre 3 et 4 ans quand la première fois j'ai mis mes mains sur un piano. Et dès l'âge de 4 ou 5 ans, je commençais déjà à pouvoir jouer des chansons que j'avais entendues à la radio. Alors j'ai une oreille presque absolue depuis que je suis tout petit. Et quel a été ton parcours par la suite? Ah, eh bien, j'ai suivi des cours de piano pendant 2 ans de temps, mais je me suis rendu compte que j'aimais pas trop le fait de lire la musique. Ce que je voulais, c'était de composer de la musique, être dans ma bulle, et puis c'est vers l'âge d'à peu près 15 ans que j'ai commencé à enregistrer mes propres chansons, et j'ai fait un premier album, mais ça, j'en parle pas trop parce que c'était vraiment démo. Et tu me sembles avoir une certaine passion pour l'improvisation. Je regardais tes vidéos sur YouTube et tu me disais que c'était de l'improvisation la plupart du temps. Oui, en effet, j'adore l'improvisation parce que selon moi, l'improvisation, on en fait à chaque jour, sans s'en rendre compte, là. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait présentement, ça n'est de l'improvisation, il n'y a rien de prévu, il n'y a rien d'écrit. Et dans mes vidéos, j'essaie d'intégrer ça le plus possible parce que selon moi, le moment présent, ce qui va se passer présentement, il n'y a rien qui peut battre ça. C'est la magie de l'instant présent. OK, alors David, ma prochaine question. N'oublie pas de passer à l'épicerie, prendre 2 pains, 3 laits. Oh, je me suis trompé de carton! Ah!
Excuse-moi, moi et mes cartons, là. J'ai quand même une question à te poser. Quand tu commences à jouer d'un instrument de musique, là, c'est quoi ta motivation? Qu'est-ce qui fait? Comment tu fais? C'est une bonne question, ça, parce que souvent les gens me demandent si j'ai des conseils à leur donner, des trucs pour apprendre à jouer d'un instrument. Mais ce qu'il faut savoir, là, c'est qu'on ne se met pas à jouer d'un instrument pour devenir meilleur comme telle personne ou telle personne. Non, il faut commencer, il faut aimer ce qu'on joue, peu importe le niveau, où est-ce qu'on est rendu. Puis avec le temps, on va finir par s'améliorer. C'est intéressant, ça. Et pour finir, David, aurais-tu un message à communiquer avec nous et à tes fans? L'important dans la vie, c'est d'avoir des rêves et d'y croire. Parce que selon moi, c'est ce qui fait qu'on est sur Terre présentement. On a tous des rêves, on a tous des choix de vie à faire. Et c'est nos rêves, selon moi, qui nous guident à travers cette vie. Excellent, ça, David, c'est bien dit, ça. Alors, je te remercie énormément pour cette entrevue. C'est déjà tout, mais je crois qu'on en a appris davantage sur toi. Alors, merci et à la prochaine.